Salut Ludovic Montoriol. Bonjour. Alors toi, tu joues dans le spectacle de Frankenstein. Tout à fait. Pourrais-tu me dire quels sont les personnages que tu vas incarner ? Alors en fait, moi j'en incarne deux, qui sont assez différents d'ailleurs. Le premier, c'est le capitaine du navire, qui est plutôt une personne droite, dure, avec à la fois son personnel et lui-même, mais également très droit, très juste, qui a vraiment un côté très juste dans ses prises de décision. Et puis après, je joue également le rôle de Steiner, qui lui est une personne qui loue des appartements à certains personnages du spectacle et qui s'avère au fil du spectacle, il ne révèle pas que des qualités, mais j'en dirai pas plus. Merci. Ok, donc toi, tu te passionnes pour la comédie musicale. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu en fais ton métier ? Alors, j'en fais pas mon métier. Je mène en parallèle une carrière professionnelle en France, je suis français, et puis je fais beaucoup de comédies musicales à côté de façon assez intensive dans différents registres, que ce soit pour enfants, adultes, de tout. Okay. Voilà. Donc quel est le spectacle dans lequel tu as joué dernièrement, le dernier spectacle ? Alors dernièrement, l'année dernière, j'ai joué dans Cabaret, dans Notre-Dame de Paris, dans Rédemption. Tu t'arrêteras pas ? Non. non, parce que c'est vraiment une, comment on pourrait dire, un plaisir immense, voilà, de mêler tous ces arts et puis de rencontrer toutes ces personnes également. Donc là, tu termines une répétition de Frankenstein. Vous avez répété toute la matinée. Oui. Est-ce que tu penses que tu seras prêt pour la rentrée 2016 ? Oui, on sera prêt. On travaille dur, mais on est très bien coaché. Donc après, on coach pour aller chercher des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller chercher tout le temps. Donc le coaching est très important, mais oui, on sera prêt sans aucun souci. Ça sera un super spectacle.